Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs les présidents, messieurs les directeurs généraux, chers amis, Si Bachir Badou, directeur général de la FMSR, monsieur le président, je vais dans le sens, hein, monsieur le président Taïb Rafès, président fondateur du CFPA, cher ami Olivier Lagarde, président de la CNCA Business School, Kalim Rafès, directeur général du CFPA, et Atika Razer, que je ne vois pas, qui est quelque part, qui est la directrice formation et développement. Eh bien, c'est au nom de tous nos amis que je viens de citer que je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes dans un événement important, car il est un grand tournant de l'histoire de notre centre de formation. C'est pour la première fois qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter le Master en Management de l'Assurance, qui est une formation sur laquelle nous avons œuvré pendant quelques mois, en tout cas quelques années, puisque nous nous sommes posé la question à plusieurs reprises sur ce que serait un diplôme à la hauteur des attentes du secteur qui permettrait d'accompagner la relève de la profession au niveau managérial. Merci Idriss, merci Président, merci au CFPA et merci à notre ami qui vient de France pour ce lancement de ce master. Très rapidement, pour nos jeunes étudiants qui sont dans la filière donc banque finance, si j'ai bien compris, en deux mots très rapidement par rapport à ce que disait Cédric tout à l'heure, les banquiers n'aiment pas ça, mais je vous garantis que le secteur des assurances est bien plus intéressant que le secteur bancaire. Il est bien plus intéressant, bien plus riche, et c'est pas tout simplement des paroles en l'air, mais l'assurance c'est quoi? C'est protéger tout individu, mais aussi protéger tout bien. Et pour protéger un bien, il faut bien connaître ce bien. Merci beaucoup, merci de l'invitation ce soir. Je suis extrêmement heureux et flatté de pouvoir discuter avec vous. Alors, le secteur de l'assurance en France, c'est plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 75% à peu près pour l'assurance de personnes, le reste en assurance de biens et de responsabilité. Et c'est plus de 140 000 personnes en emploi direct pour les sociétés d'assurance. Et si j'ajoute à ça le nombre de personnes qui travaillent dans l'intermédiation d'assurance et qui travaillent pour le secteur de l'assurance, on est à plus de 200 000 emplois. Donc le secteur de l'assurance, c'est en France, mais comme dans toutes les économies développées, une grande puissance.